Allez, coucou les amis, je vous reprends un peu avec moi, je vous montre où est-ce qu'on en est. Je vous avais montré ça la dernière fois. Tac, donc il a été fait toute cette partie. Tac, voilà. Il me restera celui-là. Tac, et puis voilà. Donc la grande pièce, tout a été fait. Tac, voilà. Donc ici, je me suis regardé, hop, une réservation pour pouvoir faire un enrobage. Donc j'ai regardé sur les DTU, ils me disaient pour un bout de bois de 3 mm, 3 cm d'épais, pardon, il fallait un enrobage de 6 cm devant. Donc je me suis laissé des petites cales. Voilà, je vous expliquerai par la suite comment je ferai. Bon, je peux vous l'expliquer maintenant. Donc comment je vais faire? Je vais planter des vis devant que je vais aligner au laser. Et en fait, après, je viendrai mettre ma branche contre les vis qui vont me servir de butée et qui me serviront à aligner comme il faut. Voilà, donc ici, tout ça, ça va être de l'enduit à la chaux. Et en fait, cette partie, hop, qui est la cuisine, je vais mettre du fermacell devant. Donc là, j'ai pas gardé du tout de réservation. Voilà. Tac. Et il me reste, hop, juste cette partie, mais il faut que je rachète un montant à faire. Allez, je vous en montre un peu mieux. Allez, je suis monté à l'étage. Donc aujourd'hui, voilà ce qui a été fait. J'ai fait ce pignon. Voilà. Après, je vais refaire scier du bois un peu plus court pour faire les bas des rampants. Voilà. Et il m'en reste un peu, donc je vais aller faire, hop, je vais vous montrer. Vu qu'il m'en reste un peu des grands, voilà, donc je vais faire l'autre pignon. Alors je me suis installé un peu mon plan de travail, protégé avec des cartons. Voilà. Allez, je vais vous montrer, parce que la semaine prochaine, on va faire une petite pause ici, on va faire autre chose. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est le déluge, mais bon, la semaine prochaine, je vais évacuer tout ce tas de terre. Voilà, il y aura une mini pelle, je vais évacuer ce tas de terre. Et puis, hop, je vais essayer de vous le montrer sans me mouiller. Tac. Là, j'ai démonté mon grillage. En bas, là, tout ça. Et comme ça, je vais mettre un petit coup de mini pelle propre pour pouvoir rehausser mon mur au niveau de mon fini. Et qu'il n'y ait plus de grillage, qu'il n'y ait plus de pente, qu'il n'y ait plus tout ça. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt.